On va prendre le petit-déj, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on va prendre le petit-déj où? On ne sait pas. On ne sait pas où on prend le petit-déj. Alors, soit on prend dans le quartier d'où habite tout mon cousin, donc c'est à côté de Capden, tout ça. Soit on va le prendre à côté du shop. Tout dépend, si on trouve. Moi, j'ai envie d'un café avant de prendre le métro. Hein. Je crois qu'on a une petite demi-heure de métro, un truc comme ça. Donc, ouais, on va peut-être aller le prendre avant. On va aller voir dans le quartier, à côté du métro, tout ça, on va regarder. Ok, très bien, madame. Posé au McDo, petit déjeuner du troisième jour. Pourquoi McDo encore? Parce que j'étais obligé, parce que je voulais absolument rebooter ce putain de truc avec les muffins et tout. Je trouvais ça trop bon. Et en fait, il n'y en a plus. Donc, je fais bien les boules. Non, ouais. Je pense qu'ils n'en font pas dans ce McDo là. Petit café latte qui fait plaisir. Par contre, ici, ils en faisaient. On va pouvoir goûter la apple pie. C'est pour ça. Ça m'intrigue. Ouais, c'est pour ça aussi qu'on vient là à la base, hein. C'est pour la apple pie. Parce que ça existait en France à un moment, mais ça a disparu. Donc c'est une espèce de tarte aux pommes, mais dans une espèce de pâte. C'est une espèce de. Ta gueule, les flics. Putain, il y a encore un crime. Il y a de la cannelle dedans. C'est très très bon. C'est pas gras du tout, c'est super bon en vrai. Pour le petit déj, c'est trop bien. Pomme cannelle, ouais, c'est bon. Ah, c'est cool. Par contre, du coup, la pomme est chaude dedans, quoi. C'est pas grave. Hein. Ce qu'il y a à noter aussi, c'est qu'on va peut-être manger au McDo un midi quelque part. Je sais pas encore, hein, parce que c'est un peu con d'aller au McDo à Londres. Mais en tout cas, ils ont plein de wraps différents. Ils ont plein de signatures différentes. Ils ont plein de desserts de ouf, en fait, au niveau des espèces de milkshakes, des frappes, des smoothies qui donnent trop envie. On tentera peut-être un midi. Ils ont le Chicken Legend Ranch. Je sais pas si c'est ça en France en ce moment. Après le petit déj là, on bouge sur Upton Park. Upton Park, merci. Et on va aller dans un magasin plutôt cool en rapport avec hier, vous verrez. Donc on se retrouve là-bas. Encore un meurtre, hein. Donc là, on va prendre encore le métro pour aller au Forbidden Planet. On vient de sortir du Doctor Who Shop et yes. On est resté très longtemps, donc on n'avait pas trop... Enfin, si, on s'était donné de la marge au niveau du planning, mais on pensait pas rester aussi longtemps. Ouais, on vient de partir, il est 13h là, c'est ça? Il est 13h30, ouais. Ouais, et on devait partir 40, et on devait partir à 11h. Oui, tout à fait. Ok, mais en même temps... On arrivait tard aussi. En même temps, on arrivait tard, on s'est levé pas trop tôt. Au Bookshop, on s'est fait grave plaisir, c'est pour ça qu'on a pris du temps. Voilà. Exactement, c'est vraiment... On n'a pas pu filmer malheureusement parce que c'est interdit, voilà, donc c'est normal, hein, parce qu'ils ont une collection vraiment impressionnante, des pièces magnifiques, notamment des trucs pas à vendre, mais vraiment des très très beaux... En exposition quoi, mais vraiment beau quoi, des putains de répliques. Donc, on a craqué notre slip un petit peu, on s'est acheté... On en a eu pour 200 et quelques livres. On a eu pour 230 livres, ce qui fait, je crois, plus de 250€. Voilà, un truc comme ça. On va aller manger un fish and chips, du coup, oui, à côté du Forbidden Planet. Bah oui, et puis après, on ira au Forbidden Planet. On espère trouver des trucs cool aussi pour encore craquer notre slip et dépenser tout notre argent et mourir ruiné. C'est ça, mais vous nous enverrez de l'argent. Hein. Oui, bien sûr. Allez. On leur montre quand les objets qu'on a achetés? Si on a le temps ce soir, mais j'y crois pas trop parce que ce soir, on va encore sortir avec mon cousin et sa copine, donc ça pue l'alcool. What?
Pas Hello, coucou. Hey, Captain. Hello. So cute. I know. I know. My name is Sebastian. I live around this area. Oh, around, but I not live, in. I live next to Underfields. Okay. Mm. Do you like it? Yeah, it's very nice. You look good in the camera. I know. Land here. Man behind the ball. Yes. Man behind the ball. Behind the car. I can touch the sky.